D'abord, bonjour à tout le monde. J'ai envie de dire surtout merci au Tour de nous avoir fait ce cadeau cette année, parce que c'est vrai que vous êtes restés plus longtemps. Le problème, c'est que plus vous restez, plus on a envie que vous reveniez. Donc voilà, on vous attend et vous serez toujours les bienvenus. Donc oui, vous avez pu remarquer comme quoi David, c'est le Béat aussi, hein, qui est toujours heureux de vous accueillir. Donc voilà, faites-nous plaisir, procurez du bonheur à tous ceux qui n'attendent que ça, que vous veniez pour avoir aussi des fois le petit rayon de soleil dans ce mois de juillet. Le petit rayon de soleil dans le cœur et dans la tête. Voilà, donc un grand, grand merci à vous d'être là. Et puis, à l'année prochaine. Nous avons affaire ici à Pau à une équipe extrêmement soudée, avec André Labarrère, avec toi, avec toute ton équipe. Nous sommes nous-mêmes une équipe soudée. Et ces deux équipes soudées, depuis des années, bon, ce serait immodeste de dire qu'on fait des merveilles, mais en tout cas, chaque fois que nous venons à Pau, c'est quelque chose de réussi. Réussi parce que Pau, dans le Béarn, dans les Pyrénées, ça n'est jamais une halte anodine. L'équipe qui traite ce matin, adieu les sommets. C'est pas adieu les sommets, c'est au revoir les sommets. Parce que j'ai déjà eu l'occasion de dire que nous trouvons ici à Pau tout ce qu'il faut pour réussir des demi-tours magnifiques. Sur le plan de la logistique, la place de Verdun, sur le plan de l'accueil de la presse, le centre de Palais Beaumont, magnifique. Sur le plan de la capacité hôtelière, sur le plan de la préparation à laquelle vous procédez pour que tout se passe bien, et tout se passe bien. Nous avons donc mille envies de revenir, et au moment où nous allons remonter vers Paris, d'ici dimanche, c'est un grand, grand merci que nous vous disons, et on s'en est déjà ouvert, effectivement, à l'année prochaine. Les écarts en temps réel du côté de la ligne d'arrivée. La CACS, c'est donc pour le tableau d'honneur. On rappelle donc victoire hier d'Homme avec le maillot jaune Crédit Lyonnais sur les épaules. Nous sommes le premier au classement par points. Le classement par points. Oh, j'ai pas réussi à trop me montrer, mais c'est pas grave, quoi. Ça a été bien sympa. Maintenant, il ne reste plus que 3 jours où on peut faire quelque chose. Donc, on va encore essayer de s'échapper. Et voilà. Il y a eu mon échappée de Nancy. Après, ben, j'ai fait un bon travail d'équipe. Maintenant, bon, ça serait bien de conclure par une autre échappée, mais j'ai jusqu'aux Champs-Élysées pour le faire. Et non, un bilan vraiment satisfaisant. Parce que, bon, ben, a priori, bon, je touche du bois, ça devrait bien se passer jusqu'à la fin. Donc, ça va. Aujourd'hui, ça va être encore une étape très longue, mais fatigué et content que ça se termine, quoi. D'accord, hier alors, ça n'a pas marché ? Non, ça n'a pas marché. Bon, j'ai quand même essayé, j'étais un petit peu sur mes terres, donc j'ai voulu tenter quelque chose. Bon, mais, on a Cédric Vasseur devant, donc après, c'était quand même une journée très très bien pour Cofidis. Et puis voilà, après, j'ai géré dans le gros péto. De toute façon, dans l'école, j'avais les jambes vraiment dur, donc je pouvais pas mieux faire. C'est vrai qu'aujourd'hui je connais bien le début, il y a plein de petites côtes là du côté de Morlas. L'échappée va encore partir tôt, ça va rouler vite au départ, mais bon, de toute façon il y aura un groupe de 10-15 qui va s'échapper, et j'espère bien en faire partie. D'accord, très bien, merci Stéphane, bon merci. Courage pour la suite, s'il vous plaît. Allez, après, là, ici, pas ici.